Buongiorno la famille. Ciao. Ciao. Incroyable. Incroyable ce garçon. Alors, on est en Italie. Et regardez devant nous, là, ce qu'on a. On a, donc vous n'allez pas pouvoir trop voir, mais on a au moins, je crois, 20, je pense, Penny. Ouais, 22 Mercedes. Là, on a un Viano devant nous, mais à part ça, c'est tous les nouveaux GLE coupés. Nous, on est dans un 53 MG, dernier du pack. Et ce matin, je crois qu'on va commencer avec une petite visite de où ils font le marbre, ici en Italie. Et après, comme vous le savez, cette vidéo, on va finir avec la Ferrari 430 Scuderia en train de la conduire. Donc ça, j'ai tellement hâte. Mais d'abord, la journée commence ici à Forte des Marmes. Pourquoi tu m'envoies une banane? Bonjour. Bonjour. On est arrivé. C'est une carrière de marbre. Vous savez où ils font le marbre? Regarde. Mais je pense qu'on va monter dans les voitures. Je suis pas sûr. Moi, c'était l'impression que j'avais eu. Regarde là-bas même. Ils ont un peu tout détruit. On va monter avec les voitures et apparemment, peut-être même faire un peu de off-road. Je suis même pas sûr. On est dans le Mercedes GLE coupé le plus sale au monde, je pense, non? Ouais. Ouais, parce qu'il y en a déjà, il y en a pas beaucoup. Je pense que la plupart des GLE coupés sont là aujourd'hui avec nous. Putain, regarde, il y a une éclipse. Ah ouais. Wow, mais... Oh, pardon. Ouais. Bah, tu m'as fait regarder le truc, ouais. On voit le soleil, mais à peine. Mes lunettes. Ah, fais voir. Attends. Pardon, les gars. Regarde. Ah ouais. On sort ici pour aller à l'aéroport de Pise, pour ensuite prendre un train, pour aller à la station de train de Pise pour aller à Genova pour ensuite retourner à Monaco. C'est que c'est quelque chose quand même, hein, le voyage qu'on va faire. Et regarde dans lequel état on va faire. Ouais. Ah, mais toi ça va. Ouais, mes chaussures sont blanches. Cole, ça même. Va Je suis, ça va. Ouais, ça va, on va bien. Super, ouais, mais cette voiture a été super. On l'a vraiment demandé un peu plein de scénarios différents à la voiture. Elle a été dans plein de scénarios différents et elle a tout géré, en vrai. Elle a tout. Là, on allait assez d'une vitesse sympa quoi, sur l'autoroute. On va pas dire exactement quelle vitesse on faisait, mais oui, c'était quoi. La limite, quoi. Elle respecte bien les limites. Et ouais, elle arrive rapidement à la limite de vitesse. Voilà. Et non, en vrai, ça a été super de faire ce voyage dans cette voiture. Mais je t'avoue que là, j'ai qu'une chose en tête, et c'est la Ferrari. C'est de conduire la Ferrari. Moi, j'ai qu'une chose en tête, c'est de rencontrer la Ferrari. Ouais. Elle a un nom, j'ai tellement hâte. Elle a pas un nom. Est-ce qu'on peut regarder juste la fenêtre de Cole pour voir à quel point elle est tinted? Et c'est bon, on est arrivé à Monaco, il est assez tard et on a passé pas mal d'heures sur le train, mais maintenant j'ai la clé de la Ferrari et regarde, de retour avec mon bébé qui était sous une bâche, elle était en train de charger, donc elle devrait avoir de la batterie et tout, et on va pouvoir conduire mon bébé, elle va tellement manquer, et en plus c'est la première fois qu'on va mettre des trucs dans le coffre, c'est parti. One. Voilà. Il y a pas mal de place, hein. Cold start. Oh mon Dieu, elle fait tellement de bruit. Mais par contre, il fait noir dehors. Donc
Donc on va pas pouvoir vraiment filmer dans la voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est on va continuer cette vidéo demain matin en conduisant la Scott. On est prêt? Demain on pourra faire mieux. Donc parce que là on va juste rentrer à la maison, ça va être tout simple. Mais demain on va la conduire. Prêt? Benny, bienvenue à la chaîne. Encore, merci. De nouveau. Ça fait plusieurs vidéos que t'es là. Bah même dans cette vidéo, putain, je capte pas, je suis complètement un peu dans tous les sens. Mais là on est le jour d'après. Et il fait beau et on va prendre la scooter. Allez, c'est parti. C'est parti. Valve ouvert, race mode pour la première fois. Le soleil qui se couche, ma Scud, ouais, c'est juste vraiment vraiment super super cool. Et c'est vraiment vraiment super cool, bien sûr. C'est pourquoi tu dis ça, c'est bien sûr que c'est cool. Je sais pas quoi d'autre dire, je suis un peu j'ai pas envie qu'à chaque fois qu'on conduit cette voiture ce soit ça, donc je suis vraiment en choc. Mais c'est littéralement comme si c'était un rêve et que je m'étais pas encore réveillé. Et là, surtout avec le coucher du soleil là devant, je la laisse allumer, valve ouvert pour pouvoir écouter ce V8. Magnifique. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'avais seulement un jour ici à Monaco et après, là, pardon, on retourne à Londres. Mais pour aussi faire plusieurs choses avec des Ferrari, justement. J'espère que tu as kiffé. Nous, on se verra très très bientôt. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme ça. Merci et ciao, ciao.